suis invité à m'exprimer, à ne pas parler principalement de la Palestine, mais de son environnement. Toutefois, je le dis tout de suite, je suis de ceux qui considèrent, comme vous tous probablement, qu'il y a un maintien de la centralité de la question palestinienne au Moyen-Orient, ça c'est incontestable. Et quand je dis ça et que je le répète à mes chers étudiants ou dans d'autres conférences, il y a souvent une mécompréhension de la phrase, de cette centralité maintenue. Bien évidemment, ce n'est pas parce que la question palestinienne sera résolue que, par enchantement, toutes les questions de la région seront résolues. C'est une évidence. Mais ce que je sais, c'est le contraire. C'est que tant que cette question ne sera pas réglée, alors évidemment, il y aura des obstacles au règlement des autres situations. Donc il n'y a pas de lien mécanique, bien sûr, et en même temps, tant que cette question palestinienne ne sera pas réglée, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une véritable stabilisation de cette région du Moyen-Orient. Alors avant de parler de ce que j'appelle l'équation stratégique au Moyen-Orient, parce que c'est vraiment le nœud de nos réflexions, j'aimerais donner quelques points de repère. Je n'en ferai pas une analyse exhaustive de la situation au Moyen-Orient, ce n'est pas possible en trois quarts d'heure, mais essayer de fournir quelques points de repère. La première remarque que je voudrais formuler, c'est, et vous me pardonnerez si j'enfonce une porte ouverte, mais enfin il y a toujours des vérités bonnes à rappeler, c'est que la situation générale au Moyen-Orient ne prédispose pas véritablement à l'optimisme. Oui, en fait, la seule bonne nouvelle à laquelle nous avons pu assister au cours des dernières années, c'était probablement, c'est pas la seule, mais c'est probablement la plus importante, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure dans le cours de mon exposé, c'était l'accord du 14 juillet 2015, il y a presque trois ans jour pour jour, à propos du nucléaire iranien. Ça, c'était quelque chose qui était important, parce que non seulement ça faisait baisser les tensions d'un cran, mais surtout parce que ça avait été le prix d'une négociation qui a duré une douzaine d'années. Et dans cette négociation, il y avait tous les membres du Conseil de sécurité, pas uniquement les puissances occidentales, plus l'Allemagne, vous vous en rappelez. Bon, pour autant, les espoirs qui ont été formulés à l'époque se sont révélés vains suite à la décision de Donald Trump de dénoncer cet accord. On y reviendra. En réalité, le Moyen-Orient donne véritablement la sensation d'une situation de décomposition. Cette décomposition politique, sociale, géopolitique, elle remonte, pour aller à l'essentiel, à 2003. Il faut le rappeler, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Nous étions quelques-uns à l'époque à expliquer que cette invasion aurait des conséquences dans toute la région. Et j'étais de ceux-là, mais très honnêtement, je n'avais pas mesuré l'importance négative que pourrait avoir cette invasion, car depuis lors, toutes les tensions régionales, je dis bien toutes les tensions régionales, non seulement politiques, géopolitiques, entre États, mais aussi entre les différentes communautés qui composent la plupart des États de la région, se sont aiguisées et ne se sont pas résolus, bien au contraire. C'est pourquoi ce Moyen-Orient compliqué, comme dirait l'autre, est probablement ce que l'on peut qualifier de zone sismique des relations internationales. Bien évidemment, nous le savons, il y a d'autres crises dans d'autres régions du monde. Pour autant, je pense que les facteurs d'instabilité et les conflits semblent se concentrer dans cette région et que finalement, non seulement pour des raisons politiques, et là, on peut revenir à la question palestinienne, bien sûr, mais aussi pour des raisons économiques, je pense bien évidemment au pétrole, eh bien, les équilibres mondiaux dépendent en partie, mais en large partie, des possibilités de stabilisation et de démocratisation. Et je pense que le combat en solidarité avec la Palestine ne doit jamais sous-estimer cet aspect des choses, de l'environnement géographique, géopolitique et géostratégique, qui évidemment influe négativement sur les possibilités de résolution de la question palestinienne. Deuxième point de repère, j'évoquais tout à l'heure la seule bonne nouvelle récente dans cet accord du nucléaire, il y a trois ans, il y en a eu d'autres en 2011-2012, ce que certains ont appelé les printemps arabes, je me refuse à utiliser cette expression, je préfère parler des révoltes arabes, de cette formidable onde de choc politique qui a traversé une partie des mondes arabes, il y a eu des espoirs, non seulement parmi les populations qui se sont mises en mouvement, qui se sont mobilisées,
qui, pour certaines, ont réussi à chasser des régimes de dictature. Et malheureusement, les espoirs n'ont pas été, comment dirais-je, exaucés. Et qu'au contraire, autant les espoirs ont été importants, autant les désillusions le sont aujourd'hui, quand on réfléchit à la brutalité avec laquelle certains États, certains régimes plus exactement, ont pu réagir à cette exigence à la fois économique, c'était la revendication d'une meilleure justice sociale, à ces revendications politiques, c'était la volonté de mettre à bas des régimes qui pour certains étaient pluridécennaux, c'était aussi, rappelez-vous, l'exigence de dignité qui était un des vecteurs de ces mouvements de mobilisation. Mais la grande erreur qui a été commise à l'époque, dans les analyses, j'entends, je ne parle pas des erreurs politiques qui ont pu être commises par tel ou tel, ça je ne suis pas là pour distribuer bons et mauvais points, mais je pense qu'il y a une grande erreur, et ça je peux en parler, parce que ceux qui travaillent sur le Moyen-Orient ont beaucoup polémiqué tout au long de l'année 2011-2012, c'est que certains pensaient qu'il allait avoir une sorte d'effet domino dans toute la région. Illusion totale, moi je pense que c'était une vision déformée de la réalité des rapports de force, de la réalité des trajectoires de chaque État. Parce que certes, les causes de ces révoltes étaient identiques, je les ai évoquées très brièvement, économie, politique, exigence de la dignité, mais cela n'a pas produit les mêmes effets. Et c'est pourquoi Bertrand a eu la gentillesse de rappeler le bouquin que je viens de commettre, j'insiste toujours beaucoup sur les mondes arabes. Le mythe du monde arabe unifié, qui a pu avoir ses heures de gloire, on se souvient, à l'époque de la naissance des parties basses, surtout à l'époque du nasserisme, c'était des époques concomitantes. Tout cela, on peut le regretter, mais c'est un fait à voler en éclats, et je crois que aux mêmes causes ne correspondent pas les mêmes effets, parce que chaque État désormais réagit en fonction de sa propre histoire, des propres rapports de force qui existent en son sein, des propres modalités de mobilisation qui ne sont pas identiques d'un État à un autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces formidables espoirs formulés à l'époque ont été suivis par de formidables désillusions. Pour autant, il y a plusieurs choses que je voudrais rappeler à ce propos de ces révoltes. Un, et c'est fondamentalement important, le mur de la peur s'est effrité, pour ne pas dire s'est effondré. Ça, c'est essentiel. On se souvient, avant 2011, les commentaires souvent sentencieux de bon nombre de soi-disant analystes qui nous expliquaient que jamais dans les mondes arabes il n'y aurait de révolte, que finalement c'était presque anthropologique que les Arabes ne se révoltent pas. Bon, déjà, ils connaissaient mal l'histoire de la région et l'histoire de la Palestine, mais je mets ça de côté. En tout cas, ils ont dû être un peu échaudés de constater cette formidable capacité de mobilisation qui ne fait pas exception par rapport à d'autres régions. Et cette question du mur de la peur qui s'est effrité me paraît essentielle parce que ça peut faire et ça fera des petits. Il n'y a pas pour moi d'incompatibilité entre l'histoire de ces mondes arabes et la possibilité de parvenir à des processus de démocratisation, certes difficiles, confus, chaotique et parfois dramatique, mais il n'y a pas de condamnation anthropologique. Est-ce que les mondes arabes restent gouvernés par des dictatures? Ce seront des processus de longue haleine, bien évidemment. Mais ce que je pense, et ça me rend quelque part un tout petit peu optimiste, c'est que la séquence qui a été ouverte en 2011-2012, elle n'est pas refermée. Il y aura d'autres séquences de mouvements de révolte, de contestation qui peut-être prendront d'autres formes que celles auxquelles nous avons insisté en 2011-2012, mais pour autant, je ne crois pas que les peuples arabes soient retournés dans un long sommeil, ce serait une vue de l'esprit et qui ne correspond pas du tout à la situation. Enfin et dernière chose, il y a un fait politique très important, et c'est une des conséquences de ces révoltes de 2011-2012, ben, c'est ce que j'ai appelé la mort politique du néoconservatisme. C'est-à-dire l'idée du néoconservatisme, ce qu'on peut apporter la démocratie, entre guillemets, de l'extérieur, comme ce que prétendaient les néoconservateurs en 2003 quand ils ont envahi l'Irak. Rappelez, on va amener la démocratie, non seulement en Irak, mais dans toute la région.
Évidemment, c'est un point de vue à combattre politiquement, c'est une erreur absolue. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'humanité que la démocratie puisse être apportée dans les bombes, dans les soutes des bombardiers. Donc il est important de comprendre que politiquement, il y a une défaite de ce courant néoconservateur, même s'il y a encore des nouveaux conservateurs, et j'en reparlerai, mais je crois que leur marge de manœuvre, qui a été grande à l'époque de George Bush, junior, n'est plus la même aujourd'hui. Ça fait plutôt partie des bonnes nouvelles, si tant est qu'on prenne un petit peu de recul. Troisième remarque générale que je voudrais faire, c'est qu'évidemment, tout le monde le constate, il y a multiplication des conflits militaires dans la région, et que ces conflits militaires, malheureusement, se trouvent dans des impasses. Alors les principaux conflits, la Syrie, la Libye, le Yémen, se caractérisent tous par des situations d'embourbement sans perspective immédiate de solution politique. J'entends bien qu'en Libye, il y a eu des conférences mises en œuvre pour trouver une solution. J'entends bien qu'il y a des difficiles tentatives de remettre sur pied un processus politique en Syrie. Pour le cas du Yémen, rappelez-vous, la France a voulu convoquer une grande conférence, elle s'est réduite à peau de chagrin. Donc, évidemment, je souhaite que le plus rapidement possible, les peuples concernés et la dite communauté internationale puissent trouver des solutions, mais pour l'instant, on n'en voit pas véritablement des linéaments concrets, tangibles, précis et sur le court terme. C'est-à-dire que cette région semble marquée par une incapacité à élaborer des sorties de crise négociées, à élaborer des compromis politiques. Et là encore, ce n'est pas un problème anthropologique, il y a des raisons politiques. La première d'entre elles, cette difficulté à trouver des solutions politiques, c'est le fait que souvent les conflits de la région sont aussi des lieux de guerre par procuration, qu'il y a eu des puissances régionales ou des puissances internationales qui chacun, vous pardonnerez l'expression, on leur écurie, on leur protège, on leur clientèle, ce qui rend évidemment très compliqué d'envisager des solutions. Mais il y a aussi des facteurs endogènes. Et le principal d'entre eux, là encore, je schématise, je vais très vite, je vais à l'essentiel, c'est ce que je considère être l'autoritarisme politique, qui est quand même le marqueur de la plupart des régimes qui existent dans la région. Je crois que cet autoritarisme politique, il s'explique assez facilement par le manque de profondeur historique que la plupart des États de la région possèdent. C'est-à-dire que des États qui sont de facture récente, en tant qu'État, j'entends, alors qui ont été marqués par la dure expérience de la colonisation, soit ottomane, soit ensuite anglaise, britannique, puis bon, etc., donc on connaît cela, le fait que ces États, sauf l'Iran, sauf la Turquie, et dans une moindre mesure l'Égypte, ces États sont presque tous de facture récente. Je parle bien d'États. Bien sûr, les peuples de la région ont de très longues histoires qui s'inscrivent dans la longue durée, mais je parle de la forme d'État comme mode d'organisation de la société. Eh bien, ces États sont de facture récente, et pour, compenser partiellement cette faible profondeur historique, on constate à une sorte de longévité, et à la personnalisation des pouvoirs. Et cette longévité, cette personnalisation des pouvoirs avec l'existence d'un certain nombre de régimes autoritaires ou dictatoriaux explique cette faible capacité à la négociation et à la mise en œuvre de processus de compromis. Le compromis n'est pas un mot ou un concept qui est très répandu dans la région. Donc, c'est ça qui pose question, c'est qu'il y ait des guerres, c'est toujours terrible, bien évidemment, mais c'est que dans le même temps, dans le même mouvement, il y a une véritable difficulté à trouver des solutions politiques pour les quelques raisons que j'ai évoquées. À ce propos, d'ailleurs, j'aimerais faire une incise, parce que j'ai lu, comme vous-même, de grands communiqués de victoire à propos de Daesh. Alors évidemment, Daesh, au cours des derniers mois, a subi, et on s'en félicite, des coups militaires assez durs, bon, qui se sont symbolisés par la reprise de Mossoul en Irak, la reprise de Raqqa en Syrie. Et je lisais ceux qui donnaient une importance considérable à Daesh, et c'est vrai que ça constituait un défi, formuler des cris de victoire en disant « ça y est, Daesh est terminé ». Je ne le pense pas. Alors, je
faut pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais je ne pense pas que Daesh ait été éradiqué. Il a subi des coups très importants, incontestablement, mais ne confondons pas ce qui se passe à la surface des choses, où les coups militaires ont été opérés, et ce qui se passe plus en profondeur. C'est-à-dire qu'à mon avis, une partie des réseaux liés à Daesh n'ont pas été éradiqués, et les raisons qui ont permis l'émergence et l'affirmation de Daesh sur la scène politique régionale, voire internationale, n'ont pas pour autant disparu. Et je suis persuadé pour ma part que Daesh, sous cette forme ou sous d'autres formes, réapparaîtra et dans la région et en termes de capacité à organiser des actes terroristes à travers le monde ou dans une partie du monde. Alors ça peut prendre des nouvelles formes. Et il y a un certain nombre de notes plus ou moins confidentielles qui circulent, qui parlent beaucoup de la réaffirmation, de la réorganisation de Al-Qaïda, qu'on avait un peu oublié. Bon, ben pourtant, ces organisations existent encore, et encore une fois, les raisons qui avaient permis leur affirmation, notamment en 2013-2014, n'ont pas disparu, donc il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent comme par enchantement ou sous le coup des coups de coalitions militaires ad hoc. Quatrième point que je voudrais développer, c'est, et là ça va me permettre de faire une sorte de transition sur cette équation stratégique régionale, c'est la question de l'absence du leadership régional. Nous savons que les mondes arabes et le Moyen-Orient, mais concentrons-nous sur les mondes arabes, ont été largement influencés à certains moments de leur développement par l'importance de tel ou tel grand pays ou de telle ou telle capitale. Pour aller à l'essentiel, Le Caire, Bagdad, Damas. Oui, sauf que Le Caire, Bagdad et Damas, aujourd'hui, sont évidemment dans l'incapacité de concourir à la stabilisation régionale, pour des raisons très différentes. Le Caire se trouve dans une situation économique, enfin le Caire, l'Égypte, économique extrêmement préoccupante. C'est quand même l'État le plus peuplé des mondes arabes, et au vu des contradictions sociales, eh bien, une étincelle peut mettre le feu aux poudres. Donc on peut considérer que les dirigeants égyptiens ont d'autres préoccupations que de concourir à la stabilisation de la région ou de reprendre un leadership. Bagdad essaye de se dépêtrer des défis qui lui sont posés. Bien sûr, une bonne partie du territoire qui avait été conquis par Daesh, je l'évoquais il y a deux minutes, a été reconquis. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour autant, on voit bien qu'il n'y a pas une forme de stabilisation de l'Irak. Donc comment voulez-vous, dans ces conditions, que ce pays puisse jouer un rôle de stabilisateur régional? Quant à Damas, je pense que ça se passe de commentaires au vu de la situation tragique et pour le moins chaotique de ce pays, qui mettra des décennies à se remettre en selle. Alors, comme la politique a horreur du vide, et la géopolitique de même, eh bien, il y a un État qui essaye d'apparaître, de se donner le rôle de leadership, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, quand on fait la somme de ses initiatives, et elles ne sont pas toujours très heureuses, tente d'apparaître comme le leader de la région. Il y a une raison à cela. C'est d'une part l'Arabie Saoudite, enfin les dirigeants saoudiens ont eu véritablement très peur de cette onde de choc politique en 2011, et d'ailleurs eux-mêmes ont trouvé la parade en distribuant joyeusement les pétrodollars pour tenter d'éviter une explosion sociale. Ça a marché, pour l'instant. Deuxièmement, l'Arabie Saoudite à l'époque avait conçu une vive méfiance à l'égard d'Obama, considérant que celui-ci était bien rapide à se séparer de ses amis, et je pense que la façon dont l'administration Obama avait, on peut le dire, lâché Moubarak en Égypte a beaucoup fait réfléchir et beaucoup effrayé les Saoudiens, en se disant mais les Américains qui se prétendent nos alliés depuis des décennies pourraient bien aussi nous lâcher du jour au lendemain s'il y avait des processus de mobilisation sociale dans notre pays. Et puis bien évidemment, et c'est là essentiel, je vais y revenir après, c'est que l'Arabie Saoudite, les dirigeants saoudiens, sont taraudés par la crainte, par la peur du grand voisin iranien. Alors, cette situation, elle a été parfaitement comprise par les dirigeants saoudiens, et qu'il y a eu prise de conscience de la nécessité de mettre en œuvre des réformes, tout d'abord au niveau intérieur. Pour aller vite,
On se rappelle que MBS, alors Ahmed Ben Salman, le prince héritier, ce jeune homme très fougueux, qui ne prend pas toujours des initiatives fort à propos, a été désigné il y a un an, presque jour pour jour, comme prince héritier. Pour nous, ça n'est pas une nouvelle très fondamentale, sauf que quand on met en perspective l'histoire de l'Arabie Saoudite depuis une quarantaine d'années, les modalités même du choix du prince héritier ont été totalement bouleversées, ce qui a sûrement un sens politique. On sait très bien que la moyenne d'âge biologique des souverains saoudiens non seulement a été très élevée, mais en plus, elle devenait de plus en plus importante au fur et à mesure que les successions se déroulaient, puisqu'il y avait un système de succession de frère à frère. Bon, là, ça a été bouleversé. Alors, on ne va pas faire la gazette des cours princières, peu nous importe, mais c'est intéressant politiquement pour ce que ça signifie. Deuxièmement, depuis lors, le Mohamed Ben Salman a tracé des perspectives économiques, notamment avec la vision 2030, qui montre qu'il y a une prise de conscience des nécessités de modifier les équilibres économiques saoudiens qui jusqu'alors étaient monocentrés sur le pétrole. Et rappelez-vous, au mois de novembre dernier, les 200 arrestations dont une partie des princes saoudiens, alors arrestations, on ne les a pas mis dans des culs de basse fosse, on les a mis au Ritz-Carlton, comme lieu de résidence surveillée éventuellement, sauf que pour certains d'entre eux, ils sont restés plus de 2 mois sans autorisation de communiquer, sans autorisation à sortir. Ça a quand même ça aussi un sens, et il y a là donc la volonté de la nouvelle équipe au pouvoir saoudien autour de Mohamed Ben Salman de mettre de l'ordre dans leur royaume. Malheureusement, ça, okay, il faut le savoir, parce que ça a des incidences sur la Palestine. J'y reviens. Au niveau extérieur, il y a aussi cette volonté de Mohamed Ben Salman de s'imposer comme celui qui prend des initiatives. Sauf que malheureusement, toutes ces initiatives sont radicalement contre-productives et au lieu de lisser les choses, rajoutent du chaos au chaos. Alors pour mémoire, le Yémen, c'est quand même les Saoudiens qui ont décidé, avec quelques alliés de circonstances, d'attaquer le Yémen. Mais vous comprenez bien que derrière le Yémen, c'est la question de l'Iran qui se pose, puisque les Saoudiens nous bassinent les oreilles en disant que les houthistes sont stipendiés par Téhéran, ce qui, à mon avis, est une vue de l'esprit. L'initiative sur le Qatar, le 5 juin dernier, enfin 2017, où l'Arabie Saoudite et quelques-uns de ses amis régionaux, les Émirats, Bahreïn, l'Égypte aussi, décident de mettre en place un embargo à l'encontre du Qatar. C'est un fiasco total. Les Qataris ont trouvé très rapidement les moyens de se sortir de ce mauvais pas. Ça n'a duré que quelques jours. Tant mieux pour eux. Mais ça montre que l'initiative de Ben Salman est un échec. Rappelez-vous aussi l'histoire et la séquence de Hariri, le premier ministre libanais, qui est obligé, en Arabie Saoudite, d'annoncer qu'il démissionne. Quelle humiliation! Là aussi, ça a fait long feu. Enfin, on voit que l'Arabie Saoudite, alors je ne place pas au même niveau, vous l'avez compris, la tragédie yéménite, dont pas grand monde ne parle, avec les petites histoires autour de Hariri. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Et derrière Hariri, qu'est-ce que reprochaient les Saoudiens à Hariri? C'est qu'il n'était pas assez ferme avec, enfin, à l'encontre du Hezbollah. Et qui a-t-il derrière le Hezbollah? L'Iran. Enfin, bon, tout le monde comprend qu'il y a quand même une logique dans toutes ces décisions. En tout cas, ce que je considère, c'est que l'Arabie Saoudite, indépendamment de ses prétentions, est un petit géant au pied d'argile. Et puis surtout, ne sous-estimez pas, j'y reviens là aussi dans 2 minutes, ne sous-estimez pas les Émirats Arabes Unis. On en parle beaucoup moins. Ben oui, par définition, les Émirats Arabes Unis, géographiquement, c'est tout petit. Certes, mais d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire, il y a son ami MBZ, Mohamed Ben Zayed, le régent, le prince héritier, là aussi, de Abu Dhabi, qui est sûrement quelqu'un qui, lui, a un projet peut-être plus élaboré, qui s'inscrit sur le long terme, que ne peut l'avoir Mohamed Ben Salman. Je ne veux pas faire passer Ben Salman pour un idiot, c'est pas le problème du tout. Mais les Émirats Arabes Unis, et notamment sur la question du plan Kouchner, je ne dis pas plan de paix, parce que ce serait une injure à faire à la paix, les Émiratis, c'est eux qui sont véritablement à la manœuvre avec leurs amis israéliens, cela va de soi. L'Égypte reste probablement le seul pays
des États arabes qui a une véritable profondeur historique. L'Égypte reste par son histoire longue mais récente aussi, même si je pense que l'unité du monde arabe, le panarabisme, est un mythe qui a explosé. Je pense que le personnage de Nasser, même parmi la jeunesse, alors de façon diffuse, confuse probablement, reste encore un individu qui avait redonné sa fierté aux Arabes. Il est égyptien. Les Saoudiens, qui sont très inquiets des questions de stabilité régionale pour leurs propres intérêts, donnent pas mal d'argent au Caire, mais cet argent, il est tellement mal utilisé. Là encore, pas de leçon à donner. Enfin, on sait comment ça fonctionne en Égypte. Il n'y a pas que en Égypte, mais notamment l'institution militaire se sert largement au passage. Et ce n'est pas pour les intérêts militaires, parce que moi, on m'explique que l'Égypte a acheté beaucoup de matériel, ce qui est vrai, y compris à la France d'ailleurs, les Mistral, etc. Oui, mais le défi pour l'Égypte aujourd'hui, c'est un défi terroriste. C'est l'incapacité de l'armée égyptienne à ramener un peu d'ordre dans la péninsule du Sinaï, indépendamment même des questions de droits de l'homme qui sont terriblement battues en brèche, ça va de soi, qui sont incapables de se projeter en l'avenir. On a l'impression, et on en revient à ce que faisait Moubarak, à cette frénésie de faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, au détriment du peuple, sauf que le peuple, il est fort nombreux, et que ça ne peut durer ainsi. Et aujourd'hui, l'Égypte est comme épuisée, incapable de trouver des solutions pérennes à ses problèmes de développement économique et social, et incapable de prendre la moindre initiative que ce soit au niveau géopolitique. Et pourtant, elle en a potentiellement tous les atouts. En tout cas, voilà quelques remarques d'ordre général. Alors aujourd'hui, l'équation stratégique. Considérons qu'il y a toujours une importance centrale des États-Unis. Oui, certes, j'ai parfaitement compris que les États-Unis ne sont plus aujourd'hui, en 2018, l'hyperpuissance telle qu'elle avait été décrite par Hubert Védrine à la suite de la chute du mur de Berlin, etc. Pendant une dizaine d'années, les États-Unis apparaissaient comme l'hyperpuissance, hein, vous vous rappelez l'expression qui avait été inventée et utilisée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pour autant, les États-Unis restent encore, on peut le regretter, mais c'est ainsi, la première puissance mondiale, parce qu'au niveau économique, ils sont évidemment talonnés par les Chinois, mais être première puissance mondiale, c'est pas seulement ça, c'est aussi avoir une puissance militaire, et de ce point de vue, les Chinois sont très 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 loin derrière. Sachez quand même qu'en termes de dépenses d'armement, à eux seuls, je dis bien à eux seuls, les États-Unis représentent la moitié des dépenses d'armement dans le monde entier, année après année. Je dis bien à eux seuls la moitié. Ça vous donne quand même une idée du rapport de force qu'il ne faut jamais oublier. Et puis on peut aussi parler des phénomènes et des processus de soft power. Bon, les Chinois sont encore loin de la puissance de soft power des États-Unis. Enfin, c'est ainsi. Ayant donné ce petit préambule sur l'équation stratégique et le rappel de l'importance des États-Unis, quelle est la situation? Si je voulais la résumer par une formule, mais comme toute formule, elle est un peu restrictive, c'est, je dirais, double endiguement, deux guerres froides. Je vais m'expliquer. Les États-Unis, dont j'ai rappelé l'importance incontournable au niveau mondial et bien sûr au Moyen-Orient, tentent de mettre en œuvre des politiques d'endiguement, de containment, comme on dit en bon français. Et ce n'est pas seulement Trump qui veut faire ça. Obama, à son époque, durant ses deux mandats, a essayé lui aussi de mettre en œuvre une politique de containment, mais dont on peut considérer qu'elle était beaucoup plus intelligente et de plus long terme que celle de son successeur, certes. Mais Obama lui avait mis en œuvre une logique pour la défense des intérêts des États-Unis, cela va de soi, mais ça on ne peut pas lui reprocher, avait mis une logique de dialogue avec une série de partenaires non-arabes. L'Iran, bien sûr, la Turquie, la Russie et Israël. Avec les résultats qu'on connaît, on peut considérer qu'Obama nous a beaucoup déçus. Pour ma part, je n'ai pas été spécialement déçu parce que je n'ai jamais versé dans l'Obamania. Je pense que, bon, il avait c'est un personnage plus sympathique que son successeur, probablement, pour une série de raisons.
Et en même temps, il était le président des États-Unis, donc on ne peut pas lui demander de faire plus que ce pour quoi il a été élu, c'est-à-dire défendre l'intérêt de l'impérialisme américain. Mais il le faisait avec une certaine intelligence et en essayant de trouver des solutions de compromis, comme faire l'accord avec l'Iran. Bien sûr, avec Trump, on est dans un autre registre, malheureusement, parce que Trump met en place une logique d'endiguement brutale qui s'appuie sur une partie des monarchies du Golfe. C'est-à-dire que les interlocuteurs privilégiés, les partenaires privilégiés, se sont modifiés, sauf Israël, qui reste toujours dans la boucle. Ah, tiens. Alors évidemment, les monarchies, une partie des monarchies du Golfe, mais aussi l'Égypte et Israël, je l'ai dit, ça, un, permet de vendre des armes. Or, on sait que Trump, il a quand même un tropisme de commerçant ou d'homme d'affaires, ça, il le dit lui-même, très fréquemment. Et puis, dans son point de vue, et dans le point de vue de son administration, de ce qu'il en reste en tout cas, ça permet, pense-t-il, de constituer une sorte de ligne de défense avancée des intérêts américains. Donc, c'est ça ce containment qui peut se décliner de façon très différenciée selon les administrations. Alors, on verra bien ce que fera la prochaine. Je crains quand même un petit peu que Trump, en tout cas, il s'y emploie dès aujourd'hui, ne puisse gagner un deuxième mandat. Il ne faut pas se cacher la réalité. Bon, on ne va pas s'amuser à faire des pronostics, il est bien trop tôt de toute façon. Par ailleurs, deux guerres froides. Alors, quand je dis guerre froide, qu'on s'entende bien. Encore une fois, toute expression, enfin, il y a des mots piégés. Je ne veux pas du tout dire qu'on se retrouve dans la situation de la guerre froide, de l'après-seconde guerre mondiale, où il y avait l'opposition frontale entre deux blocs, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau économique, bon, etc., etc. Non, on n'est pas dans cette situation. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a des situations de guerre, mais qui ne dégénèrent pas en guerre chaude, pour la plupart des cas, sauf ceux que j'ai cités précédemment. Alors, les deux guerres froides, c'est quoi? États-Unis, Russie. Encore une fois, hein, sans faire d'anachronisme et sans comparer à la guerre froide il y a 50 ans. En fait, États-Unis et Russie, au Moyen-Orient, j'entends, négocient entre eux des zones d'entente tacite au Moyen-Orient. Ils essayent de se répartir les tâches. Je dirais qu'il y a presque deux plaques tectoniques, une plaque russe et une plaque nord-américaine, enfin états-unienne, qui se tangentent, qui se rencontrent, mais qui évitent les tremblements de terre tant que faire se peut. Alors, la plaque tectonique au nord, donc il y a la Russie et l'Iran, avec des pays partenaires, l'Irak, la Syrie, le Liban, partie, dont on peut d'ailleurs se demander qui est le seigneur partenaire. Est-ce que c'est l'Iran ou est-ce que c'est la Russie? Il n'y a pas de réponse immédiate. Ça mérite discussion. Et puis au sud, vous avez une sorte d'axe Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Jordanie, Israël. Donc il y a ces deux plaques tectoniques. Cela pourrait satisfaire les États-Unis et la Russie, puisqu'ils ont chacun leur clientèle. Oui, mais la difficulté, c'est là que ça devient singulièrement intéressant, c'est qu'il y a le niveau des puissances régionales. Or, les puissances régionales comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, la Turquie, ne sont pas non plus, pour chacune d'entre elles, disposées à être le petit doigt sur la couture du pantalon devant la Russie ou devant les États-Unis ou d'autres. C'est-à-dire que ni les États-Unis ni la Russie ne parviennent en fait à imposer leur volonté à leurs partenaires. C'est pourquoi je ne parle pas d'alliance. Une alliance militaire, une alliance politique, ça implique des droits, des devoirs et un cadre assez rigide. Là, nous avons des partenariats. Et comme j'évoquais tout à l'heure une zone de chaos, eh bien ces partenariats peuvent se faire, peuvent se défaire assez rapidement les uns après les autres. Ce qui rend l'analyse de la situation infiniment compliquée. Ainsi, j'évoquais la rivalité Russie-Iran. Certes, ce sont des alliés, enfin des partenaires tactiques, on va dire. On le voit en Syrie. Pour l'instant. Mais ce sont des rivaux économiques. Un des enjeux pour l'Iran, c'est de constituer une sorte de corridor vers la Méditerranée pour évacuer, pour vendre son gaz et son pétrole. D'autant plus avec les décisions de l'administration Trump. Parce que l'Iran veut sortir de cette sorte de duopole énergétique avec la Russie et la Chine. Donc l'Iran veut multiplier les partenariats énergétiques. Les Russes, pour leur part,
bien que partenaires de la Russie, veulent, eux, conserver la prépondérance, notamment avec l'Union européenne, en termes de marché énergétique. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de rivalité. Il y a des jeux tactiques compliqués. Ils font un bout de chemin sur le cas de la Syrie, par exemple, depuis plusieurs années. Ils marchent ensemble. Et en même temps, il y a des rivalités. La Turquie. La Turquie, c'est pareil. La Turquie est membre de l'OTAN. Mais vous avez bien vu que... elle fait partie du groupe dit d'Astana, avec l'Iran et avec la Russie sur le dossier syrien. Nous savons que la Turquie, bien que, et c'est pas seulement Erdogan, hein, ça fait bien longtemps qu'on est ce pays dans cette situation, bien qu'allié des États-Unis, là on peut dire allié, bien que membre de l'OTAN depuis 1952, la Turquie essaie depuis bien longtemps de réarticuler ses relations avec l'extérieur pour faire valoir ses intérêts nationaux. Et puis, vous le savez bien, sur la relation avec les puissances occidentales, et notamment sur le terrain syrien, il y a pour le moins un désaccord, à ce stade en tout cas, sur la question kurde. Donc même la Turquie, je ne dis pas que c'est un pays sur lequel on ne peut pas s'appuyer, c'est pas le problème, c'est pas des girouettes, mais la Turquie est devenue un grand pays, membre du G20, et au-delà... de la situation des droits de l'homme dans ce pays aujourd'hui, là je me situe au niveau plus géopolitique, la Turquie restera un pays incontournable. Et la Turquie a parfaitement pris conscience de sa puissance et elle joue son jeu. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Donc la façon de travailler avec elle est devenue très compliquée, mais pour autant, ce que je veux vous faire voir, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune alliance, là je parle d'alliance, qui est donnée une fois pour toutes. Donc, pour conclure sur cet aspect, ce qui apparaît de ce que je viens de développer rapidement, c'est que nous sommes dans une situation d'une région apolaire. Il n'y a pas véritablement de pôle de stabilisation ou de pôle d'organisation. Deuxième remarque, nous sommes dans une région où la question de la guerre est constamment sous-jacente. Des guerres. Il y en a déjà des guerres, bien sûr, mais d'autres peuvent surgir. Donc ça fait partie des possibilités qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à l'environnement géopolitique de la Palestine. Même si ces guerres ne se réalisent pas, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas c'est une éventualité, une possibilité. Alors maintenant, qu'est-ce qui apparaît dans tout ce que j'ai évoqué, et encore une fois de façon schématique, c'est la question de l'Iran. Parce que l'Iran semble bien au centre des jeux de puissance et des préoccupations de ces puissances régionales, parce que l'Iran est un pays qui s'est affirmé par sa population, sa richesse potentielle, etc., etc. Et cet Iran, eh bien, certains voudraient totalement l'endiguer. Alors, je reviens à Trump avec ses méthodes brutales, avec sa décision du 8 mai dernier de, purement et simplement, au mépris de ce que peut constituer encore ce qu'on appelle le droit international, de dénoncer l'accord nucléaire. Alors, en demandant, en outre, aux Iraniens, mais Macron a fait la même demande d'ailleurs, enfin par l'intermédiaire de Le Drian, en demandant aux Iraniens d'arrêter avec leurs ambitions régionales. Mais alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si moi, on me demande de convertir au bouddhisme tantrique, c'est une absurdité. Enfin, on n'est jamais à l'abri de rien, mais ce que je veux dire, c'est que les Iraniens ont une longue histoire, et que leur histoire fait partie de l'histoire régionale. Pour autant, les Iraniens, de mon point de vue, ne sont pas expansionnistes. Mais ils ont une politique d'influence. Et qui peut leur reprocher cela? Qui peut leur reprocher? En tout cas, c'est pour leur demandant, en exigeant d'eux qu'ils arrêtent, que ça va les conforter. L'Iran, c'est un grand État. C'est un État qui s'inscrit dans la très longue histoire. Les Iraniens, c'est un pluriel de majesté, mais sont très conscients de l'histoire de leur pays, de la place qu'ils ont. Ils sont d'ailleurs souvent un peu condescendants à l'égard des Arabes, mais enfin, c'est une autre histoire. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réactions à la décision de Trump du 8 mai dans les mondes arabes. Oui, mais je crois qu'il faut en réalité inverser la logique des choses. Pourquoi Trump a-t-il pris cette décision? Bon, il y a un aspect psychologique chez le bonhomme que je ne maîtrise absolument pas. Je ne suis qu'un modeste politologue, je ne suis pas psychologue, donc il y a des choses que je n'arrive pas à bien comprendre. Mais néanmoins, il y a des logiques politiques, ça on peut essayer de comprendre, même si avec Trump, c'est un peu compliqué. Non, ce que je sais, c'est que ce que j'appelle la bande des trois. La bande des trois, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël.
ont préparé de longue date cette décision de Trump. Ne vous trompez pas, dès 2016, c'est-à-dire durant la campagne présidentielle aux États-Unis, eh bien je peux vous affirmer que les équipes émiraties, saoudiennes et bien sûr israéliennes étaient à la manœuvre, qu'ils allaient voir l'équipe, alors une fois, deux fois, dix fois les équipes de campagne de Trump, qu'ils travaillaient les cadres du Parti républicain, qu'ils n'avaient pas trop à se forcer, puisqu'on se rappelle que le Parti républicain aux États-Unis, dès le 14 juillet 2015, a dénoncé l'accord comme une forme de capitulation de Obama. En tout cas, Israël a magistralement, c'est triste à dire, mais a magistralement compris et instrumentalisé cette situation. Et tout à l'heure, je vous parlais des Émirats Arabes Unis. Eh bien, dans cette préparation de la décision de Trump, à propos de l'Iran, je pense que c'est les Émirats qui ont eu le plus important rôle. Je ne veux pas minorer l'importance d'Israël ou de l'Arabie Saoudite, mais on sait que déjà l'ambassadeur des Émirats à Washington est là depuis plus de 15 ans, donc il connaît tous les rouages de l'administration états-unienne, que le Mohammed Ben Zayed, dont je parlais tout à l'heure, a visiblement un vrai projet politique pour son pays. On dit parfois que les Émirats, c'est la Sparte de la région. C'est pas totalement faux. Regardez au Yémen, par exemple. Les Saoudiens se contentent, si je puis dire, vous me pardonnerez le terme, de bombarder bovinement les populations civiles. Ils prennent pas de risques. Hein. Ils sont à 3000 mètres d'altitude et ils tapent dans le tas. Les seuls qui sont au sol, ce sont les soldats émiratis. Ça a un sens. Ça a un sens. Ils sont entraînés, ils sont malheureusement efficaces. Et tout ça correspond à un projet, une vision. Pour les Émirats, c'était un peu existentiel la question de l'Iran. C'est qu'il y a le détroit d'Ormuz et qu'évidemment, c'est un lieu géostratégique chaud dans les rapports de force internationaux. Donc, je crois que c'est Israël, les Émirats qui étaient principalement à la manœuvre et puis, dans un certain sens, l'Arabie Saoudite. Quelle est l'idée de ces braves gens? Et j'en arrive à la Palestine. Ils considèrent que le problème principal, alors à tort ou raison, mais j'essaie toujours de me mettre à la place de ceux qui décident pour essayer de comprendre. Ils considèrent que la question principale, c'est l'Iran. Pour des raisons différentes, Israël, les Émirats ou l'Arabie Saoudite considèrent que c'est l'Iran qui est un danger. Mais pour régler la question iranienne, il faut, de leur point de vue, régler au plus vite la question palestinienne de façon à pouvoir faire un front commun contre l'Iran et que ces Palestiniens décidément sont des empêcheurs de tourner en rond. Et c'est pourquoi il y a eu un début de débat sur un État, deux États, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette bande d'étroits, par ses initiatives, par ses prises de position, tente de délégitimer l'idée même de deux États. C'est ça qui est important. Rappelez-vous par exemple que Mohamed Ben Salman a fait une tournée de 3 semaines à l'étranger au mois de mars. Enfin, 3 semaines aux États-Unis, 2 jours à Paris et 2 jours à Londres. Mais aux États-Unis principalement. Et là, il a déclaré, il a fait beaucoup de déclarations, qu'il y avait un droit à l'existence de l'État d'Israël. Bon. Pour nous, c'est pas un scoop. C'est pas révolutionnaire. Sauf que lui le dit publiquement, sans aucune contrepartie. Il dit droit à l'État d'Israël. Alors que les Saoudiens nous avaient abouti à dire oui, le droit à l'État d'Israël avec Jérusalem, enfin, etc., etc. Et puis, on sait aussi qu'il a parlé d'Abu Dis comme hypothétique capitale pour les Palestiniens. Et puis, sinon, si les Palestiniens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se taire. Il l'a dit à peu près en ces termes-là. Sauf, et c'est ça que je veux vous faire comprendre aussi, c'est qu'en Arabie Saoudite même, ça suscite des contradictions. Taoufik hier parlait du sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu le 15 avril. Là, cette année, hein, il y a quelques semaines. Le roi Salman, le papa, Mohamed Ben Salman, qui est assez âgé, dit-on, pas très très bonne santé. Je n'en sais rien. Non seulement il a donné un titre à cette conférence de la Ligue des États arabes, la conférence Al-Rot, et qu'il a fait revoter une motion de réaffirmation de Jérusalem comme capitale, etc., etc. Enfin, les fondamentaux. Oui, mais si il y a cette contradiction entre
entre Mohamed Ben Salman et son papa, ça a un sens politique pour toute la géostratégie de la région. C'est-à-dire que certains, le roi, pensent qu'il est nécessaire de maintenir l'unité des États arabes tant que faire se peut pour tenter de trouver une solution juste à la question palestinienne pour ensuite s'occuper de l'Iran. Et Mohamed Ben Salman a une autre vision, ainsi que les Émiratis et ainsi que les Israéliens. Les États arabes ne sont pas aptes à faire l'unité et donc il faut foncer de façon à s'occuper sérieusement de l'Iran. Et pour ce faire, on va mettre en place un plan, le plan Kouchner, dont on a eu des bribes ces derniers jours, mais dont on n'a pas encore le texte. Et l'aura-t-on un jour? Nous verrons bien. Donc, par ailleurs, ça signifie que le credo néoconservateur qui est emmené par Israël, je dis bien le credo néoconservateur, je ne dis pas que ça va se solder, ça va se conclure par une victoire des néoconservateurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, politiquement, ils étaient morts. Mais il y en a encore qui sont sur ce credo néoconservateur, c'est-à-dire cette volonté d'imposer des solutions de l'extérieur. Parce que ça ne vous a pas échappé, ce plan est assez secret, on a des bribes d'informations. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est que les principaux concernés, on ne les consulte pas. Donc ça ne risque pas de réussir de toute façon. Les mondes arabes sont totalement divisés. Au sein du Conseil de coopération du Golfe, eh bien, il y a deux axes, désormais, six pays fondateurs, qui sont divisés sur cette question et de l'Iran et de la Palestine. D'un côté, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn, et de l'autre côté, le Koweït, le Qatar et Oman. Parce que le Koweït, le Qatar et Oman, pour des raisons certes différentes, n'ont aucun intérêt à risquer une situation de guerre contre l'Iran. Au sein de la Ligue des États arabes, l'unité, elle est bien, bien loin d'être réalisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que l'Arabie saoudite, qui veut apparaître comme le leader régional, eh bien, est loin du compte et ne parviendra pas à son objectif. Il y a des pays comme l'Irak, bien sûr, le Liban, la Syrie, j'ose à peine en parler, enfin, en plus, ils se sont fait virer la Ligue des États arabes, mais aussi l'Algérie, dans une moindre mesure, la Tunisie, enfin, là, je m'écarte un peu du Moyen-Orient, tout cela. Ce sont des États qui ne sont pas d'accord avec les propositions de la bande des trois. Et puis, alors, on parle beaucoup de l'Égypte et de la Jordanie, qui, pour l'instant, dépendant financièrement des monarchies du Golfe, pourraient soutenir ce plan. Sauf que ça pose des problèmes énormes. Si le gouvernement égyptien soutenait ce plan, une fois qu'on le connaîtra, vous imaginez que dans une situation sociale où les contradictions sont infiniment aiguës, tout peut exploser. Or, le président maréchal Sisi, certes, il a mis tous ses opposants, quasiment tous, en prison. Certes, il règne d'une main de fer. Et en même temps, il sait très bien... Enfin, il a mémorisé ce qui s'est passé en 2011 avec Moubarak. Donc tout le monde disait qu'à l'époque, qu'il tenait le pays. Oui, en fait, il l'a tellement bien tenu qu'il a été obligé de partir en 15 jours. Bon. Donc tout ça, il l'a en tête. Et la Jordanie, pour sa part, petit État qui, pareil, vous avez vu, il y a 3 semaines, il y a eu des mouvements sociaux importants en Jordanie à cause de mesures d'ordre financier concernant les impôts, les subventions aux produits de première nécessité. Les monarchies, enfin certaines monarchies du Golfe, ont donné de l'argent. Alors il y a une sorte de concurrence à celui qui va donner le plus entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais les Jordaniens eux-mêmes, dont vous savez que plus de la moitié de la population est d'origine palestinienne, hésitent beaucoup. Enfin, quand je dis les Jordaniens, le roi, ses conseillers, hésitent beaucoup à accepter un plan. Encore une fois, on n'en connaît pas tous les temps et aboutissants, mais qui pourrait non seulement faire exploser la situation dans son propre pays, d'autant qu'il y a aussi des projets sur la question de la gestion des lieux saints en Palestine, des musulmans j'entends, puisque vous savez que les Jordaniens ont la responsabilité de cette gestion, le Waqf, et qu'il semblerait, c'est l'article qu'a fait René Bachmann dans Mediapart il y a 2 jours, que les Saoudiens veulent acheter un grand terrain à proximité du Dôme du Rocher de façon à installer une sorte de fondation qui serait en charge de... Donc il y a une logique théorique. Je ne sais pas si tout cela va se produire ou va être déclaré, nous verrons bien. Mais vous voyez qu'aucun des pays, y compris l'Égypte et la Jordanie, qu'on considère souvent comme ceux qui sont les plus proches de la
bande d'Étroit, eux-mêmes hésitent beaucoup pour des questions de survie intérieure. Donc, pense sur l'influence des États, de tel ou tel État, sur les partis palestiniens. Je pense que ce n'est pas une façon très juste de poser la question, en fait. Ne croyez pas qu'il y a un pays qui soutient tel parti, sauf le djihad, qui est visiblement aidé, emmené semant et trébuchant, entre autres, par l'Iran. Prenons le cas de la Turquie, par exemple. Bon, la Turquie, enfin, quand Trump a décidé de transférer la capitale à Jérusalem, ou bien quand il y a eu les massacres après le 30 mars et les vendredis qui ont suivi, Erdogan a fait des déclarations d'une violence inouïe. Il a une nouvelle fois utilisé l'expression de terrorisme d'État à propos d'Israël. Moi, ça ne me choque pas spécialement. Enfin, il le dit. Alors, je crois qu'en Turquie, il y a un vrai tropisme pro-palestinien. Ça existe depuis des dizaines d'années. C'est pas nouveau. Et Erdogan le comprend parfaitement. Il l'utilise, l'instrumentalise. Il a fait convoquer une session extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique pour condamner les décisions de Trump, pour condamner les massacres. Tout ça est très bien. Mais ne pensez pas que Erdogan est un, entre guillemets, pro-palestinien. C'est un homme d'État. Il y a une part de cynisme, même si probablement il est assez convaincu, mais c'est des jeux de rapport de force. Et si nécessité se fait loi pour lui à un moment donné de passer un compromis avec Israël, eh bien l'aide qu'il peut amener aux Palestiniens, il est vrai, notamment à Hamas, eh bien disparaîtront. Donc je crois qu'il n'y a pas de lien mécanique. La politique des États, qui sont des monstres froids, comme chacun sait, et la défense, le soutien de tel ou tel parti palestinien. Je pourrais dire la même chose sur le Qatar. On sait que le Qatar aide financièrement, notamment le Hamas, pour la bande de Gaza. Ce qui est vrai, c'est un fait. Et en même temps, on comprend bien que le Qatar, s'il y a un moyen de se remettre dans le jeu ou de faire baisser les pressions qu'exercent sur lui l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis, ben, il fera ce choix. Donc c'est la défense froide, terrible, sans principe éventuellement des intérêts de chacun, mais c'est la logique des grands États. Je suis atterré. Moi, je suis français. Je suis fier d'être français. Je suis atterré par la politique extérieure de mon pays, notamment au Moyen-Orient. Ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Alors, je ne vais pas faire l'histoire des dernières années, parce qu'on va pleurer, on va sortir les Kleenex. Mais enfin, en gros, depuis Chirac, mais pas depuis le départ de Chirac. Chirac, il a manifesté une politique de principe en 2003. Je ne suis pas devenu chiracien pour autant, mais j'ai approuvé et soutenu sa ligne politique. Il a résisté à toutes les pressions et nous avons défendu des questions de principe. De principe. Rappelez-vous le fameux discours de Villepin, bon, etc., à l'ONU. Chirac lui-même a eu peur de s'être affronté aux États-Unis. Et très rapidement, un an et demi plus tard, il a trouvé le fameux accord à propos du Liban. Avec les Américains, c'était encore George Bush, la résolution 1559, et on a compris que Chirac voulait absolument calmer le jeu, comme s'il avait été pris de vertige devant le courage qu'il avait eu vis-à-vis des Américains, mais qui était juste, hein, encore une fois. Depuis lors, ça va de mal en pis. Sarkozy, Hollande. Et je dis ça va de mal en pis, parce que même Sarkozy, qui est arrivé, vous vous rappelez, au début de son premier mandat, en roulant des épaules, en disant « on va voir ce qu'on va voir ». Et moi, mon ami, c'est Netanyahou. Je vais lui faire comprendre la réalité des faits. Il s'est fait totalement rouler dans la farine. Il s'est fait mépriser. Et même Sarkozy, à la fin de son mandat, disait « ouais, Netanyahou, il tient pas sa parole ». Ça, c'est le vautour que jamais. Oui, mais vous voyez. Alors, Hollande... Faut pas tirer sur les ambulances, mais lui, il avait une outrecuidance, rappelez-vous, dans son programme présidentiel, de dire reconnaissance de la Palestine, etc. On connaît les résultats. Mais, d'une façon plus générale, ce que je pense de la politique extérieure de la France, je ne dis pas de la diplomatie française, parce que moi, je vais souvent pour des raisons professionnelles au Quai d'Orsay. Alors,
Dans les entretiens privés, les diplomates, ils sont beaucoup plus aptes à parler que publiquement. Bon, il y a le devoir de réserve, je puis comprendre. Enfin, ils ne sont pas toujours d'un très grand courage, mais il y a une résistance sourde, mal organisée, de ce qu'on appelle les colons mitterrandiens, pour aller vite, qui veulent maintenir une ligne d'indépendance nationale, de souveraineté nationale, et qui ne veulent pas s'aligner sur les États-Unis. Bon, ils sont en perte de vitesse, mais ils existent encore. Sauf que c'est pas la diplomatie en tant que telle qui décide, c'est l'exécutif, ce qui est tout à fait logique et normal, et notamment à la présidence, parce qu'on sait que la Ve République concentre quand même beaucoup les pouvoirs. Et là, on se balade au gré des événements. Alors, l'épisode libyen, quand même, que je compare souvent avec l'épisode irakien, on a été prompt à critiquer les États-Unis à juste titre, parce que, au mépris du droit international et de façon unilatérale, ils sont intervenus en Irak avec les conséquences que l'on connaît. La différence, il est vrai, en 2011, c'est qu'il y avait une résolution de l'ONU. Ça, c'est vrai, la résolution 1973. Mais chacun sait aussi que ni la lettre, ni l'esprit de cette résolution n'ont été respectés. Et que la France, avec nos amis britanniques, dans le cadre de l'OTAN, on se demande ce que l'OTAN vient foutre dans cette galère, enfin, c'est ainsi, avec ses 20 mandats de l'ONU, mais qui ne contenait pas le change regime, comme on dit en bon français, a abouti à la chute de Kadhafi dans les conditions que nous connaissons. Mais ça, c'était pas le mandat de l'ONU. Pourquoi Sarkozy, lui le premier, avec ses conseillers, même pas occultes, vous savez, un certain philosophe avec une chemise blanche chancrée, que je ne nommerai pas, ont eu un effet infiniment néfaste. On voit la situation de la Libye. Alors peut-être, de façon rétrospective, on peut penser, c'est une hypothèse, que Sarkozy avait tout intérêt à voir la disparition de Kadhafi. Peut-être. Nous verrons. La justice suit son cours. Si je me déporte plus à l'est, vers le Golfe, alors Sarko avait mis tout sur le Qatar. Là, il s'embrassait sur la bouche tous les matins. Hollande lui a fait le choix de l'Arabie Saoudite. Pourquoi, comment, je demande. Enfin, si, pourquoi, il y a une raison. C'est business as usual. Les ventes d'armes. Oui, mais en termes politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la France, pour ça que je suis attristé, c'est qu'on s'aligne sur des États qu'il faut respecter, avec lesquels nous devons avoir de bonnes relations, mais ça ne veut pas dire s'aligner. Quant au jeune président Macron, il nous a dit, quand il a été élu, « Moi, je vais parler avec tout le monde. » On a voulu, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une conférence internationale. Macron est très fort dans les effets d'annonce. On va voir ce qu'on va voir. Oui, sauf que cette conférence internationale, elle s'est réduite à une petite réunion d'experts. Donc, c'est pas tout à fait le même sens. Parce que là, c'est comme en Libye. Et je reviens à Macron. Il a dit, il y a eu l'accord du mois de juillet dernier. Il y a eu un accord à Paris, une déclaration commune entre les différents protagonistes libyens. Oui, tout ça est mieux que rien, je peux l'admettre. Je ne veux pas faire de l'antimacronisme primaire. Mais en même temps, ce n'est pas suivi des faits. Donc on a l'impression qu'il y a une politique de coup. Et puis, sur l'essentiel, Macron s'est aligné sur les États-Unis. Et nous avons repris, nous Français, l'exécutif français, les exigences de Trump. Il faut que les Iraniens stoppent leur programme de construction de vecteurs balistiques pour le nucléaire. Mais les Iraniens, vous ne pourrez pas les changer sur ce point, pour une raison très simple. C'est que pendant 8 ans de leur vie, entre 1980 et 1988, ils se sont pris les missiles de Saddam Hussein sur la tête sans pouvoir riposter. Donc c'est pour une question de défense. Et ça, vous ne pourrez pas les convaincre. Et puis deuxième chose, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, on leur demande ingénument arrêter d'avoir une politique régionale. Bon, je ne recommence pas, mais c'est aberrant. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a été envoyé tout début mars pour préparer ce que nous avait promis Macron, qu'il allait se rendre en Iran. On attend toujours, c'est le moment d'y aller là, il ne faut pas attendre 3 ans. Bon, Le Drian est arrivé, je me souviens parfaitement, un lundi matin à Téhéran. Et la veille, le dimanche, il fait une déclaration dans les médias où il demande ça. Arrêtez avec les missiles balistiques et arrêtez avec votre politique régionale. Ça, c'est vachement habile.
quand on veut négocier quelque chose et qu'on lance la couleur avant d'avoir ses interlocuteurs en face, c'est le béaba de la diplomatie, de ne pas dévoiler ses cartes avant que nécessaire. Résultat des courses, le lendemain matin, le lundi, le grand journal conservateur iranien Kehan disait « le valet de Trump débarque chez nous ». Bim, ça c'est... Tout était réussi, on pouvait s'attendre au résultat, le résultat on l'a eu, rien. Il y a eu une conférence de presse avec Sharif, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui était absolument glacial. Je termine bien évidemment par, mais ça vous le connaissez mieux que moi, par la question de la Palestine et d'Israël. Mon ami Netanyahou répétait avec délectation par Macron, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, cher Bibi, bon, etc., c'est proprement insupportable. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le courage, malgré son attitude condescendante, donneur de leçons, il n'a même pas le courage de se battre. C'est pas parce qu'on se bat qu'on a la victoire, mais au moins de tenter de simplement faire appliquer le droit international et d'en revenir aux fondamentaux de la France sur ce dossier. On n'est plus dans nos fondamentaux, clairement. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Il ne faut pas baisser la garde pour autant, mais voilà ce que je pense. Cette région a besoin d'éléments stabilisateurs en son sein. Mais il est clair qu'un pays comme la France pourrait y contribuer. Y contribuer, on ne va pas faire l'appui le beau temps Moyen-Orient, même si on le voulait, on n'y parviendrait pas. Et tant mieux, c'est très bien ainsi. Je me souviens des discussions que nous avions ensemble l'été dernier, quelques semaines après l'élection de Macron, où il me disait, alors qu'on partage le même point de vue, c'est Jean de Blignasty qui par ailleurs a été consul à Jérusalem, ça il y a une vingtaine d'années, et qui me disait, non j'ai quand même, il y a quelque espoir, parce que les déclarations de Macron sont plutôt bien... On se rappelle de l'épisode quand il reçoit Trump le 14 juillet, la fameuse poignée de main, bon, quel super. Après, il reçoit Poutine, vous vous rappelez, à Versailles. Donc il y avait des indicateurs, des signes. On avait l'impression que la France allait revenir dans le jeu. Oui, mais revenir dans le jeu international, ce n'est pas des postures. C'est des initiatives, c'est une volonté et c'est un suivi des dossiers. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La question de Salah Hamouri, c'est lamentable. C'est lamentable. On n'est même pas capable, le gouvernement, l'État n'est même pas capable de défendre réellement un de ses ressortissants. Je ne pense pas que rien n'a été fait. Oui, il y a eu des prises de contact, nous dit-on. Mais sauf qu'on est devant une sorte de mur, sans mauvais jeu de mots, le gouvernement Netanyahou ne comprend que le rapport de force. Donc il y a un moment donné, quand les solutions, enfin les tentatives, pas les solutions, les tentatives diplomatiques se sont avérées vaines, ben, il faut avoir le courage de renverser la table. Mais il faut hausser le ton. Il faut menacer Israël, y compris de sanctions, etc. À un moment donné, dire maintenant ça suffit, basta, et on peut envisager toute une gradation de mesures qui peut-être vont infléchir les positions du gouvernement israélien. Tant qu'il n'y a pas un enjeu stratégique sur l'emprisonnement de notre concitoyen, c'est vraiment pour l'exemple. Je vous dis, moi, gouvernement israélien, que je fais ce que je veux. C'est ça le message. En 1982, où un de ses ministres lui dit « Oui, quand même, il y a le CRIF qui nous indique qu'il faudrait faire ainsi, il ne faut pas brusquer les choses avec Israël. » Et Mitterrand, après le témoignage, dit « Mais moi, je suis président français, je ne suis pas le président israélien, et la politique de la France, ça se fait à l'Élysée. » Bon, c'est une forme de fermeté. Bon, quand Mitterrand... Je n'ai jamais été mitterrandiste de ma vie, donc j'en parle aisément et sans problème. Mais quand il a été à la Knesset, il a dit des choses à l'époque qui quand même détonnaient dans le paysage. Il a dit qu'il faut deux États. Ce n'est pas le premier qui dit cela, mais un chef d'État d'un pays comme la France à la Knesset, c'était le premier. Donc quand même, il y avait encore quelques fondamentaux. Et depuis lors, il y a une sorte d'alignement fondamental de la politique de la France sur les États-Unis et donc d'Israël. Aujourd'hui, en 2018, je dirais même que c'est une politique fondamentale d'alignement sur Israël et donc des États-Unis. Vous voyez, l'ordre s'est un peu modifié. C'est à chaque fois la même méthode, c'est-à-dire on va tenter de les influencer, on va tenter d'infléchir le cours de leur politique, sauf que des gens comme Netanyahou et les autres membres de son cabinet, qui sont parfois encore pires, n'en ont strictement rien à faire. Mais rien à faire, on connaît leur méthode. Leur méthode, c'est non seulement à l'encontre des Palestiniens en premier lieu et fondamentalement, mais rappelez-vous comment Obama a été traité par Netanyahou. C'est quand même exceptionnel. Quand Netanyahou est venu faire un discours au Congrès aux États-Unis,
je crois qu'il y a eu 39 ovations, standing ovation. Tout était contre Obama. C'était aux États-Unis, c'était à Washington, c'était le mépris le plus affirmé. Disons, va te faire foutre, Obama. Ces gens-là, enfin je ne prêche que des convaincus, ne comprennent que le rapport de force. Donc toute la politique qui consiste à tenter d'infléchir en les amadouant, en leur faisant des sourires, en poussant la chansonnette avec Netanyahou à la fin de la report, vous vous rappelez, c'est scandaleux, c'est honteux, moralement, mais en plus c'est totalement inefficace politiquement. Donc là on a la totale. Pourtant, le rapport de force, on est capable de l'exercer à l'encontre d'autres peuples, d'autres États, d'autres régimes, mais pas à l'égard d'Israël, ce qui nous renvoie à des débats bien connus sur le sentiment d'impunité. L'histoire même du Hezbollah, c'est l'histoire d'un parti de résistance. De résistance à qui ? Ben justement aux Israéliens. Tiens, tiens. Et le Hezbollah, qui au départ est un groupe armé, alors aidé par l'Iran, d'ailleurs, c'est vrai, enfin, on a des faits là-dessus, mais rapidement, pour des raisons qui sont liées d'ailleurs à sa propre survie politique, est un parti qui devient, un groupe armé qui devient non seulement une structure militaire, mais aussi une structure politique, et qui est depuis lors devenu en réalité l'axe de la vie politique libanaise. Aujourd'hui, rien ne peut se faire au Liban sans l'accord et la participation du Hezbollah, que vous le vouliez ou non. Et le Hezbollah a un agenda politique propre, parce que ce parti, par ailleurs, a aussi une base sociale, grâce à un réseau de dispensaires, de cours privés, d'écoles, etc. Donc il y a un triptyque militaire, politique et social qui en fait un parti efficace, un parti discipliné, un parti organisé que demande le peuple. De mon point de vue, la meilleure façon de comprendre les dynamiques du Hezbollah, c'est de partir de l'échiquier politique libanais et bien sûr régional. Il y a déjà eu à plusieurs reprises des bombardements ciblés de la part des Israéliens contre le Hezbollah, contre des convois du Hezbollah en Syrie. D'ailleurs, le Hezbollah ne l'a pas nié. Donc, comprenons bien que, suivant l'exemple de ce qu'a fait Bush en Irak, de ce qu'ont fait les Anglais, les Américains et les Français en Libye, tout le monde se croit tout permis. C'est-à-dire que ce qui restait du droit international, mais il faut le défendre, ce droit international, même si on en comprend les limites, même s'il y a un deux poids, deux mesures. Ça, quand on va au Moyen-Orient, tous nos interlocuteurs nous parlent des Occidentaux qui sont promptes à donner des leçons à tout le monde et qui sont quand même tout aussi promptes à faire appliquer le droit international selon la formule du deux poids, deux mesures. Et nos interlocuteurs ont raison. Pour autant, nous devons, je crois, défendre ce droit international, même s'il est malmené, de la même façon qu'à mon avis, il faut défendre l'ONU, même si nous savons que l'ONU a toutes ses limites. Mais c'est encore le dépositaire de ce droit international. Et une partie du combat international, combat politique j'entends, qui se déroule aujourd'hui, c'est unilatéralisme, chacun fait ce qu'il veut, contre multilatéralisme, qui en dépit des limites, a quand même la vertu d'une capacité régulatrice des relations internationales. C'est que la Turquie, au début des années, allez, depuis une quinzaine d'années, pour elle, j'arrondis les chiffres, a eu l'ambition d'être le leader régional, de s'affirmer, de multiplier les relations. Très compliqué, parce qu'ils sont turcs, ils ne sont pas arabes. Donc les Turcs n'ont pas laissé que de bons souvenirs dans les mondes arabes. Pas que. En même temps, il n'y a pas une haine anti-turque, il faut être réaliste.
La Turquie s'affirme économiquement, je le rappelais tout à l'heure, 17e puissance économique mondiale, et surtout, surtout, la Turquie opère un tournant dans sa politique extérieure au cours des années 2000, la première décennie 2000, qui s'est résumée par une formule, vous l'avez sûrement en tête, zéro problème avec nos voisins. Évidemment, c'est le Moyen-Orient, leur précaré, pour des raisons historiques, géographiques. Et Erdogan, au moment où les révoltes arabes se cristallisent en 2011, il y a un moment d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je soutiens les régimes en place ou je soutiens les mouvements de contestation? Bon, on me dirait que ce n'est pas le seul à avoir hésité. Et évidemment, des liens importants sont tissés avec les frères musulmans en Égypte après l'élection des frères, enfin la majorité des frères acquis, puis l'élection de Mohamed Morsi lors des présidentielles égyptiennes. Première élection démocratique présidentielle en Égypte, je le rappelle toujours. Et puis en Syrie aussi, il joue la carte des frères musulmans dans la première phase de contestation. Depuis lors, je reprends la Tunisie. Les frères musulmans, enfin Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans, est toujours dans le paysage, bien sûr. Qui a gagné la municipalité de Tunis il y a 8 jours? Une femme candidate de Ennahda. En Égypte, ils sont plutôt influents dans les prisons que dehors, les frères musulmans. Et puis en Syrie, ils ont été balayés par de plus radicaux qu'eux. Donc le choix stratégique de Erdogan d'avoir tenté de nouer pour l'affirmation de la Turquie des liens avec la mouvance musulmane est une erreur stratégique. Il y a un retournement complet il y a 2 ans précisément, en juillet 2016, indépendamment de la tentative de coup d'État. Ça n'a pas de rapport. Erdogan voit que, Daesh n'arrive plus du tout à contrôler quoi que ce soit, et que, deux, surtout, les Kurdes en Syrie commencent à prendre une importance et même à créer une zone le long de la frontière gérée par le parti de l'Union démocratique des Kurdes de Syrie. Et là, il se dit, il faut arrêter les conneries. Bachar, on verra plus tard. Il y a un retournement total. Et il ne parle plus du départ nécessaire de Bachar, enfin, sauf dans les déclarations générales. Et c'est à ce moment-là qu'il se rabiboche avec les Russes et les Iraniens qui participent au groupe d'Astana, en l'occurrence sur un centre de gravité qui n'est pas très pro-américain. Donc vous voyez que la Turquie a tout le potentiel pour être un État déterminant, incontournable dans la région, c'est vrai, mais a tellement fait d'erreurs tactiques et stratégiques qu'elle n'est plus en situation d'influencer réellement le cours de la région. En tout cas, dans la séquence actuelle, la Turquie reste un élément tout à fait central des enjeux géopolitiques régionaux. Puis il y a une longue histoire, et puis il y a 80 millions d'habitants, et puis il y a une classe moyenne forte, puis il y a des gens qualifiés, bon, etc., etc. Donc une empathie avec la question palestinienne. Même si la Turquie est le premier pays culturellement musulman, mais qui était laïque, qui a reconnu Israël. L'Organisation de libération de la Palestine a ouvert un bureau de représentation à Ankara en 69. Il n'y avait pas tant à l'époque d'États non arabes qui avaient des bureaux de représentation de l'OIP. Et depuis lors, on sait que il y a cette empathie dans la population, mais il y a aussi la politique de l'État. Il y a notamment en 1996, des accords de coopération militaire avec l'État d'Israël. Nous sommes, c'est pas un hasard, 3 ans après Oslo, et c'est l'époque où Clinton essaye de reconfigurer ses jeux d'alliances régionaux, et donc il fait pression sur la Turquie pour qu'il coopère plus activement avec Israël. Bon, cette coopération n'est pas terminée, quoi qu'en dise M. Erdogan. Il y a encore des échanges d'armement entre Turquie et Israël, des drones notamment. Si une partie de la société en est véritablement convaincue, c'est la cause palestinienne. Moi, je vais souvent en Turquie, c'est toujours perçu comme ça, incontestablement. Le soutien de Erdogan à la cause palestinienne, il est réel, il ne faut pas le négliger. Pour autant, il n'est pas irréversible. La question kurde... Moyen-Orient, c'est le peuple le plus nombreux, plus de 25 millions d'individus qui n'a pas d'État.
sont plus nombreux que les Palestiniens, les Kurdes. Mais, une fois que j'ai dit ça, ça c'est de la démographie. Le problème des Kurdes, c'est qu'ils sont divisés en quatre pays. Ça, c'est la conséquence des accords post-première guerre mondiale. Turquie, Irak, Iran, Syrie. Et que depuis un siècle, ou à peu près un siècle, cette situation perdure, ce qui signifie que les modes de mobilisation politique, les modes de socialisation politique des Kurdes de Turquie ne sont pas les mêmes que les Kurdes d'Iran, qui ne sont pas les mêmes que les Kurdes d'Irak, etc. Donc, en réalité, je pense qu'il n'y aura pas d'État kurde unifié. Les Kurdes d'Irak ont des liens avec Israël. Pour le PKK, ce n'est pas avéré, c'est ce que je connais. Pourquoi ? Parce que tout ce qui peut ennuyer les États arabes tels que constitués, c'est bon à prendre pour Israël. On connaît leur vieille politique de diviser pour régner et des alliances de revers que préconisait Ben Gourion déjà à son époque. Puis il y a une autre grande famille politique, c'est celle qui est incarnée par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, de Turquie au départ, mais qui a aussi fait des petits en Syrie. Et ceux qui sont aujourd'hui majoritaires chez les Kurdes de Syrie, c'est des gens affiliés au PKK. Les cadres du parti de l'Union démocratique, le PYD, les IPG, c'est-à-dire les milices de les unités de protection du peuple, sont des gens qui sont militairement organisés, politiquement tenus par le PKK. Gardons le meilleur pour la fin, les Kurdes de Turquie. Les Kurdes de Turquie, ça ne se résume pas au PKK. Ça serait une grave erreur. Et l'État turc considère bêtement, stupidement, crétinement, qu'il peut mettre en œuvre une solution militaire. Ben, il n'y en aura pas. Seule une solution politique, c'est-à-dire la reconnaissance des droits culturels, la reconnaissance d'une forme d'autonomie, d'une décentralisation de la Turquie, qui est un État totalement jacobin, centralisé, s'inspirant en l'occurrence de la Troisième République. Hein. Mais la question kurde, elle se décline aussi autrement en Turquie. Il y a le fameux HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est un parti légal, qui est un parti parlementaire. Ils ont 69 députés, là je crois aux dernières élections, là il y a 15 jours, de mémoire. C'est un interlocuteur. C'est un interlocuteur qu'il faut soutenir, parce que lui promeut une solution politique, et il n'y aura qu'une solution politique. Merci beaucoup, Didier.